Tu es producteur à 50% du temps. Si on fait 250 000 entrées, on se repassera l'émission. Hein, non, regarde, on va te la repasser, bien, oui. Ouais. Voilà. Mais vous n'avez pas peur, vous, enfin, vous le savez que c'est une réussite et que c'est un... Non, si, il y a une pression. Ah bah si, oui, non. C'est pas les gens s'ils vont aller dans les salons. Bah oui, parce que c'est bien beau de dire oui. Ça va faire... Et puis il y a une vingtaine de comédiens, certains qu'on va retrouver, d'autres qu'on va découvrir et qu'on ne quittera plus, qui sont extraordinaires autour de vous. Gilles ? Je vous vois opiner du chef. Oui, 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 non, mais il y a des acteurs exceptionnels. Il y a Alban Ivanov, par exemple, extraordinaire. Non, il y a plein. Et Yé Itara, qui est formidable. Vincent McCain, qui est génial, et qui n'est pas habitué à ce genre de comédie. Donc il y a vraiment un brassage de familles d'acteurs déments. On regarde la bande-annonce. Allez. On faisant des pattes de lapin, j'aime bien ce délire de pattes de lapin. Moi, il me semble qu'il faut faire ça. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Alors, on va lui montrer qu'il a eu raison de nous choisir. J'aimerais bien qu'on évite les tensions. Mais toi, tu vas me regarder, mais vas-y, viens, mais je t'attends. On garde son calme. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend. Une soirée chic, sobre et agréable. Qu'ils vont où, là ? Il me fait peur, lui, là. Hein. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, la poser dans la cuisine. Comment ? Ah, pardon. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Je vais vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Samy, t'es sûr de toi là pour les feux d'artifice ? Vous l'avez vu combien de fois le film alors ? Je l'ai vu, on a été obligé de le voir, Elisabeth. Oh. Obligé. Ouais. On l'a vu combien de fois ? Quatre fois, cinq fois. Mais avec plaisir. Ah non, avec plaisir. Avec un plaisir inouï. Inouï. Alors, ce qu'on voulait dire à tous les spectateurs, c'est que le moment de la bande-annonce où j'arrache le micro des mains de Gilles n'est pas dans le film. Ah. Pourquoi ils l'ont mis dans la bande-annonce ? Parce qu'on a tourné tellement de choses. Ah oui. Voilà. On peut se permettre de mettre des trucs dans la bannonce qui ne seront pas dans le film. Ah ouais. C'est rare. Parce qu'on dit que tout est dans la bande-annonce. Et là, non. C'est exactement là. Et le film n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Rien. Je ne sens que des scènes coupées. D'ailleurs, on n'est pas dans ce film. Que la bande-annonce. Finalement, on n'y est plus. On n'y est plus. Tous les trois, vous avez accepté les yeux fermés. J'aime bien parce que je fais les yeux fermés au cœur. Oui, à chaque fois, on image avec les gestes. Oui, c'est bien. Les yeux fermés. On a hâte parce que c'était un plaisir de le lire. Vous avez accepté les yeux fermés de tourner avec Nakache et Toledano. Les yeux fermés, enfin, je veux dire, on faut pas déconner non plus. Pour lire le scénario, on a été obligé de les ouvrir. Mais c'est le seul moment où on a ouvert les yeux, c'est en lisant le scénario. Hein. Après, on avait les yeux fermés. Exactement. C'est marrant, ça. On a eu les yeux fermés tout le temps. Gilles, vous vous dites que vous étiez fou de joie lorsqu'on vous a proposé ce rôle, alors qu'ils étaient gênés un peu parce que c'était pas le premier rôle. Mais ça n'a aucune importance. Vaut mieux avoir un petit rôle dans un grand film qu'un grand rôle dans un film pourri. Elle est bien, mais cette phrase. Mais c'est tellement vrai. Mais oui. C'est vrai. Moi, j'ai pris un bouquin sur le Cinoche. Cinoche, qui sera bientôt publié. Ton Cinoche, très beau livre. Non, mais vous étiez fou de joie, vraiment. Et d'autant plus que comme petit rôle, il y a plus petit. Hein. Oui. Non, mais c'est un second rôle. Non, mais c'est-à-dire que Toledano et Nakache, c'est quand même des génies de la comédie en France, au niveau de l'écriture, de la qualité même de la mise en scène, etc. C'est formidable. Tout en étant quand même un peu surestimé. Un chouïa, on a travaillé avec eux. Oui, on peut vous dire. Faut arrêter. Les acteurs sont pour beaucoup quand même. On ne le dit pas assez. Mais justement, on est allé leur voir pour leur demander qui de vous tous. Vous êtes allé leur voir. Les voir. On ne laissera rien passer comme ça. Ah non. On est là, on lâche rien. Ah oui. Donc on est allé les voir. J'aime beaucoup, moi. Ah oui ouais. Moi aussi. Pour leur demander qui avait le plus de vous trois le sens de la fête. Il sort tous les soirs. Ouais. Tous les soirs, il sort. Non, tout le temps. C'est le roi de la nuit. Tourne, hein. Il sort. C'est le roi de la nuit. D'ailleurs, ce que les gens ne sont pas au courant, il est DJ, Jean-Pierre, et il va à Ibiza, il fait des soirées. DJ JP, s'appelle. DJ JP, exactement. Et il commence par un mix. Je n'ai pas besoin de. Et c'est un grand DJ. Et puis, il aime quand il y a beaucoup de monde. Lui, ce qu'il aime, c'est la foule, c'est l'endroit où tout le monde est là, et il aime rester longtemps dans les soirées. Il n'aime pas partir le premier, il aime rester... Généralement, les gens débarrassent, ils enlèvent le matériel, et ils disent, mais Jean-Pierre, t'es encore là ?
C'est tout à fait ça. Ouais. Hein, c'est Jean-Pierre. Ils t'ont bien servi. Ah ouais. Didier JP, on aime beaucoup. Excellent, excellent. Ils me connaissent bien. Vous restez avec nous, on va continuer à parler du sens de la fête. Ouais, et on va vérifier à quel point vous l'avez, ce sens de la fête, tous les trois. On a prévu une petite animation. Oh. Qu'on n'assume pas des masses. D'accord. On n'est pas très fiers. On n'est ni fiers ni sûrs du truc. Mais bon, c'est comme dans un mariage, il y a des moments voilà, moins réussis que d'autres. Ouais. Et puis, on sera rejoint par Benjamin Clémentine, artiste exceptionnel. La révélation musicale de 2015 déjà. Il sort un deuxième album et il vient en exclusivité dans C'est à vous pour nous le présenter. Ça fait plaisir. On vous soigne. A tout de suite. Somewhere has crossed.